On continue la suite des aventures de la 4e compagnie après avoir tourné un film de propagande exceptionnel. Le haut commandement est fier et a permis à ses hommes valeureux de retourner dans les lignes arrières pour un petit peu se reposer et maintenir une défense. Le souci, c'est que là, les lignes arrières se trouvent au fait dans les lignes de devant. Ah. Magie, magie. Et on va donc tenir une position. Et malheureusement, bon, bah, ce film patriotique n'a pas plu à l'état-major allemand qui a décidé de botter le derrière à cette 4e compagnie pour justement faire eux-mêmes un film de patriotique. Voilà, pour dire que tout se passe bien sur le front de l'Est alors que ça se passe pas très bien des deux côtés. Donc, on va devoir aujourd'hui tenir la ligne face à une attaque allemande, une attaque fasciste. Mais mes chers camarades, prolétaires et communistes, mes frères d'armes vont tenir la ligne. Maintenant, on commence à avoir des troupes un peu plus expérimentées que c'était le cas au départ. Vous avez voté pour que ce soit les T-34 qui reviennent en soutien. Donc, théoriquement, on aura de quoi combattre sans trop de difficultés cette fois-ci les véhicules blindés allemands. Ça va péter, c'est toujours des modèles de 40, hein. On va se contenter de ça pendant quelques parties avant de switcher sur le modèle de 41. On reste également avec notre petite T28 qui est toujours là, un jour il va prendre une bougnette qui lui fera regretter d'être venu sur le front, mais là ce n'est pas encore le cas. Pour ceux qui se demandent où sont les KV-1 et compagnie, sachez que l'arbre soviétique sur le jeu est très très développé et que les T-34 et les KV ne sont pas vraiment dans la même ligne de blindés. Donc je n'ai pas de KV-1 à vous proposer actuellement parce que j'ai préféré opter pour les T-34 qui me semblaient être plus corrects pour la série. Mais possiblement, un jour viendra les KV-1, viendra les ISU et compagnie, mais ce ne sera pas pour tout de suite. On va donc se préparer à la défense. Il y a tout qui vole ici, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans Harry Potter. Il y a une faille gravitationnelle sur ce champ de bataille. Bon, on voit que la neige est un petit peu fondue, hein. La chaleur revient tout doucement. Est-ce que ce sera bientôt le printemps ou juste une petite accalmie dans le désert de glace de Sibérie, on ne sait pas. Bon, alors on a quand même pas mal de tranchées qui se battent en duel pour tenir la position. J'ai quand même l'impression, attendez, j'ai vérifié un truc, ils viennent d'où les Allemands? On sait pas. Donc si on apparaît là, je pars du principe que les Allemands vont venir du nord-est et du sud-est, mais surtout du nord-est vu qu'on apparaît au sud-ouest. Donc on a pas mal de tranchées, mais elles sont quasiment toutes dans la mauvaise direction, hein. Celles qui sont horizontales sont en train de tourner vers nous et non pas vers eux. Ceux qui sont verticales, bon bah ça va pas protéger beaucoup. Ouais, donc on n'a pas spécialement les bonnes positions. On va quand même essayer d'utiliser un minimum de tranchées pour se défendre. On a quand même deux points qui vont sans doute être très rapidement atteints par l'ennemi. Et bien entendu, on a la chance d'avoir ici un point beaucoup plus en arrière, hein, celui qui est magie magie et... Et bon, à moi qui ai une mauvaise magie, on ne devrait pas trop avoir à le défendre. Donc moi, ce que je propose, c'est me placer pile poil entre l'arrière et le devant. Donc là, c'était les lignes arrière. On était littéralement à 100 mètres des premières lignes. Ah oui, on manque de troupes actuellement. On n'a pas de quoi se recruter. La réserve soviétique est certes vaste, mais on n'a pas l'équipement actuellement pour équiper tout le monde. On n'ira pas plus en avant que cette tranchée-là. Voilà. Donc là, la limite... Ce sera les deux tranchées qui... Là, par exemple, j'ai pas confiance. Hein. Là, le temps qu'ils apparaissent, ça va clignoter. Ils pourront dire comment ça tirer là-dessus. Je suis pas fan. À la limite, j'aurais eu des tranchées là, j'aurais été content. À la limite, cette tranchée-ci. Ça, là, je suis d'accord, on peut discuter. Là, déjà, bof. Et voilà. Là, je suis pas confiant. Là, encore moins. Donc, on va prendre ces deux tranchées-là. Donc, il y a un peloton qui va tenir la ligne. Les petits rondins. Bon, un peloton qui va... Il y a un poteau qui va se mettre là et on va faire des tranchées supplémentaires ici au niveau du champ. Donc là, il y aura un peloton du côté gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on peut plus discuter quand même. Il y a cette tranchée-là qui, certes, est un petit peu perpendiculaire à l'ennemi. Il y en a quand même ici un petit angle qui peut être utile. Donc c'est pas non plus totalement à jeter. On a ici la tranchée qui, comme elle est mal orientée, malheureusement, les fortifications arrière ici cachent un petit peu les lignes de vue. Donc c'est pas génial, génial. Mais celle-ci peut être utilisable.
Celle-ci est inutilisable, à moins que l'ennemi attaque littéralement par là, mais ça m'étonnerait. Il y a quand même des défenseurs qui pointent vers là, mais est-ce que c'est forcément fiable? Je ne suis pas certain. Parce que eux n'ont pas l'air d'être mis d'accord sur la direction de l'attaque allemande, hein, comme vous pouvez le voir. Mais fie-toi à ce que vers où pointent les soldats. Bah, je veux bien, hein. Mais ils sont littéralement à 360 degrés. Bon. La mitrailleuse pointe vers là, je suppose qu'elle est plus pertinente que les simples soldats. Mais oui, toutes nos fortifications sont à l'envers, c'est le problème. Est-ce qu'on peut utiliser les ruines? Ça on peut utiliser, mais bon, si on utilise ça, c'est qu'on a déjà perdu le point D. Bon. Là, actuellement, je n'ai plus placé que, enfin, faire apparaître qu'un seul peloton, c'est le peloton de soutien, celui avec les mortiers. Bon, j'ai oublié de faire le changement, j'ai gardé le SDKFZ chenillé, j'ai pas viré pour remettre un simple mortier sur... sur pied, tant pis, c'est pas grave. On a quand même des sapeurs et des ingénieurs, on va peut-être pouvoir faire quelques fortifications. Donc on va tenter ça. Donc ici, je veux faire des tranchées supplémentaires. Là, ici et là. Donc on va demander à nos sapeurs de se déplacer jusque là. Alors il va y avoir une mise à jour sur le jeu. Ah ouais, ça promet. Bon. Officiellement, le mode Battlefield fonctionne toujours. Ah, c'est lui qui bouge. Officieusement, bon, il était déjà bugué. Hein, ça m'étonnerait pas qu'il y ait de nouveaux bugs qui apparaissent. Donc, toi, tu vas là. Donc, j'ai sans doute demandé à celui-là de se déplacer sans faire exprès. Les médecins, on va déjà les séparer de chaque côté. Donc, vous allez littéralement dans les lignes arrière. Donc, toi, tu vas littéralement là-bas. Les infirmières, on a la chance d'avoir de belles gambettes. Et toi, tu vas là. Les mortiers, j'en mettrais bien là. Avec sa caisse de mumu. Le second, je le mettrais bien. J'aurais bien mis là, mais ils sont mal orientés, c'est compliqué. Bon, on va le mettre là. C'est quand même super risqué. Ah non, tant pis. Bon, bah les mortiers, on va le placer là. Voilà. Et je laisserai le mortier mobile pour essayer de se replier suivant la nécessité. Donc, hop, toi, tu vas là. Les T-34, on va les placer sur la plaine. 28, tu vas là. Alors, l'infanterie. On n'a pas grand monde à proposer actuellement, mais ça ne saurait tarder. On va vite pouvoir faire appel à un autre peloton. Allez, de la tranchée ici, vous. On a Gerasim qui va commander les défenses du flanc droit avec son peloton de soutien. Voilà. Et je crois que c'est déjà fini. On a déjà dispatché un petit peu tout le monde. Bon, vous. Faites-moi des tranchées du futur. On va déjà faire des trous pour les chars, ça pourrait être sympa ça. Un trou pour le char. Est-ce que d'autres personnes savent creuser quelque chose? Les trous de souris. Bon bah, va pour les trous de souris. C'est mieux que rien. Allez, construisez-moi tout ça. Ah. Hop. Hop. Oh, les mines anti-char. Clairement, tu vas miner ce passage-là. Et ici. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. On va bien concentrer le passage, parce qu'ils ont tendance à passer par dessus et les chenilles ne touchent pas, donc ça sert à rien. Là non plus. Bah, tu finis vite ton trou et puis tu vas placer également tes mines antipersonnelles. Là, tu peux même pas creuser. C'est bon. Allez, parfait. Parfait, t'as des trucs à poser, toi. Tu vas me poser ça
ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je sais plus quoi. Voilà. Tu fais ce que tu peux. Ah mince. Ah non. Qu'est-ce que je fais? C'est pas vrai. 4 là. 1, 2, 3, 4 là. Hop ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Hop. Passe par là, ça fait boum. Ici. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous allez faire votre petite roue de souris. Hop. Il y a le commandement, il ira vous rejoindre dans les toutous. Hop. L'AMG. L'AMG, tu vas te passer là. Mais l'AMG, c'est littéralement rusine. Ouais, alors Rusine, là, je suis pas spécialement fan, il va se prendre une bougnard. Rusine, il va se placer là. Le snipeuse, pourquoi pas. Ça peut discuter, là, hop. Gerasim, toi, tu vas là. Et la seconde snipeuse, tu vas ici. Ok, ici, c'est bon. Hop. Ça va me faire une grande tranchée. Hop. Toi tu vas là. Ici c'est bon, ici c'est bon, vous pouvez me lâcher la caisse. Voilà, vous défendez également la position ici. Toi dans la tranchée, Jean-Marie là. Hop. Mur de sac de sable, s'il vous plaît, vous déplacez un petit peu la caisse, sinon vous allez vous retrouver bloqué par le mur de sac de sable. Voilà, parfait. On lâche. Et vous allez défendre la position. Mettez-vous derrière les ruines. Ça devrait aller. Bien, petite pause, l'ennemi va bientôt arriver. Au niveau des sapeurs de déposeurs 2000, c'est bon. Vous reculez. Vous allez... Là, parce qu'on a mis personne de ce côté-là. Ok. Toi. Il va là également. Ok, on va faire spawn un nouveau groupe. On va faire spawn... Ceux-là. Voilà. Alors, c'est le peloton dirigé par Yakov, hein, pas l'ancien capitaine. L'ancien capitaine, il est en train de faire des choses avec les deux femmes dans son pick-up. Lui va défendre le flanc gauche. Donc tu vas ici. On a une MG. On va l'utiliser pour défendre les ruines du village. Là-bas. Lance-grenade. Lance-grenade, ce serait bien de les placer assez proche quand même. On va les placer ici. Juste. Katharina, te voilà, l'héroïne. Bon, t'as eu que 16 personnes. Peut-être que je me trompe de personne. Tu vas te passer là. Cette section. Vous allez vous placer... ici. Et celle-ci... Oh là là, c'est compliqué. Là-bas. Ok, l'ennemi attaque. Ça commence directement par Panzer 3. La section ici va se placer là-bas. Et là, qui est sa mumu. Hop, ça va là. Et l'unité anti-char. Oui, ça attaque surtout sur le flanc droit. Il va te passer là. Ok, messieurs. La guerre commence. Beaucoup d'infanterie allemande qui arrive et beaucoup de chars. Oh, canon 88, ça c'est très très mauvais pour nous. Il vient nous défoncer. C'est bugué. J'ai la caméra qui a bugué. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la caméra qui part toute seule sans laisser tranquille mon char. Elle part sans mon char. Bon, on va essayer de jouer sur la manœuvrabilité du T-34 pour flanquer les véhicules ennemis. Comme lui là par exemple. Vous savez, comme on est véloce, on fait du surplace. Ça passe. Ah non, je vais le péter.
80 mm est déjà en position. Il y a un autre canon qu'on ne voit pas. Donc toi. Et c'est perdu. Quitte le char. On en a trois autres. La perte est acceptable, messieurs. Pourquoi vous barrez de vos positions? Mais pourquoi ils sont comme ça? À quel moment ils bougent? Non, ça va être ingérable. Ça va être totalement ingérable. Avance-toi un peu plus dans ton trou. Bon, on va attendre gentiment qu'ils viennent parce qu'avec ce canon 88, on est un petit peu bloqué. Ok, on a un Maltrak ici qui veut tenter sa chance. Je sais pas si j'ai touché. Je suis pas sûr. S'il a abandonné. Il reste le Panzer 3. On va prendre du perfo. Ok, le voilà, il arrive. Est-ce qu'on a porté? On a porté. Ça a touché, mais ça a pas fait grand chose. Il nous vise. Non, c'est pas bon, ça perce pas. Là, c'est juste déchaîné. Lui, il a percé. Il dit que j'ai perdu mon char. Ouh, beau tir! Comment ça j'ai perdu mon char? Ah oui, j'ai vraiment perdu. Bon bah voilà, il s'est pris la bougna qui ne pardonnait pas. Mais au moins il s'est vengé juste avant de mourir. Et ça c'est beau. Et lui il est foutu là, il va prendre feu. Mettez-vous ici de la tranchée, tankiste. En fait il y a deux chars sur quatre en moins, ça commence bien. Hop, toi tu te places là. Toi t'es absolument pas orienté où il faut, tu t'es déjà pris de bougna, je ne sais pas comment. Recule, recule, recule. Est-ce que tu sais bombarder l'infanterie? Ah mais réparez-le parce que là vous êtes vraiment tous en mauvais état. Hop. Nouvelle vague allemande. Ils veulent vraiment défaire la 4ème compagnie. La 38T ici qui est planquée dans les buissons. Bon, du côté droit ça a l'air d'aller, ils attaquent vraiment du centre. Il est empêché de passer. Voilà, ça roule sur l'allemand. On va se battre jusqu'à la fin, messieurs. Allez, on se bat, on se bat, on se bat. Empêché d'approcher. Qui a osé dire que le Mosin c'était précis? Oula, il nous bombarde. Avec quoi, je ne sais pas. Et ils ont pris de l'artillerie. J'ai l'impression qu'on tire des balles en caoutchouc, là ça fait pas grand chose. Quoi, je vais t'avoir. Il y a pas d'autre là. Allez, on se bat. On essaye. Les alliés sont massacrés sur la droite. Nos alliés se font massacrer. Ça va bientôt être notre tour d'intervenir. Ah, c'est compliqué. C'est 38T qui bombarde la zone depuis tout à l'heure. Bon, au moins, contrairement aux Russes, ils ont la décence d'être un peu plus prudents, les mecs en face. Ça suffit pas, ils sont massacrés. On voit tous les cadavres ici qui s'accumulent. Ah, le Half-Track décide enfin à bouger. Ça va être pour nous les mecs. On va faire dessus. Tu pourrais pas te battre? On va te battre, hein, mon grand. Allez. Est-ce que j'ai réussi à tuer quelqu'un ou je te fais que le blesser depuis tout à l'heure? Essaye de nous déborder sur la droite. C'est bien quand tu décides de tirer, tu touches. Oh, c'est mon premier. Je crois, je sais même plus. La balance de fumigène pour se couvrir. Non,
ça attaque sur le flanc gauche maintenant. On a le centre à tenir. On a le centre à tenir, c'est bien. La snipeuse a réussi à battre quelqu'un. L'Alftrak a fait mine d'avancer, maintenant il est derrière le mur de fumigène. Bon, ça se fait qu'on les voit pas là-bas. C'est mon deuxième. Bon, en vrai, il a déjà eu 11 personnes, lui, c'est un gros, hein. C'est un vétéran. Bon, par contre, je suis désolé de te laisser le vétéran, mais là, on a une intervention à faire. Ton T34 brille par son efficacité face à 231. Vite, recharge, recharge, recharge. Ok, on l'a eu. Il y a un autre derrière lui. Il attaque la position arrière. Mais je le vois pas, malheureusement. Il y a quelqu'un qui me tire dessus. Il est caché dans les bois. On dirait 222. Ouais, c'est à 222. On va aller le chercher en évitant de trigger le 88. Ok. Un T-34 allié a éliminé un véhicule, un Alftrak allemand. Ok, je l'ai eu. Bon, occupe-toi du véhicule là qui arrive à passer. Comment ils ont réussi à s'infiltrer comme ceci? Bon, ça va, il reste plus que de l'infanterie. Nos alliés s'en occuperont. Ici, on a une mitrailleuse d'une MG34 qui nous pose problème. Comment ça se fait qu'ils sont aussi nombreux là? Ils ont spawn littéralement ici. Oh, mais cette carte est traître. Je vais venir des renforts. Le troisième peloton arrive. On va renforcer la position. Allez, on fonce, dans les tranchées. Dans les tranchées, messieurs. Repoussez les Allemands. Eh bien, on vous a dérangé, messieurs. Arrêtez un petit peu de draguer, allez vous battre. Hop. On s'en va laisser sans réserve. Oula, le centre est de nouveau en proie à une grosse attaque. Bon, vous deux, vous allez vous replier. Mettez la tranchée, les autres vous couvrent. Oh, nom de Dieu. Fouillez. Fouille. Arrêtez-les. Ils vont abaisser notre drapeau, c'est honteux. Le T-34, ta position c'est... Ah non, il est déchaîné, mais qui c'est qu'il a eu? Oh, beau tir du char. Ça rame un petit peu, on perd les performances. J'ai l'impression que la dernière mise à jour a diminué encore plus les capacités d'optimisation du jeu. Ah, char moyen. Oh non, Panzer 4 avec un haute vélocité. Personne va réparer ce char comme je l'ai demandé. Tu sais que t'es dans la pire situation possible face à un Panzer 4. Tu montes ton derrière là comme ça. Heureusement il tire aussi mal que toi, maintenant il y a deuxième chenille qui est pété. Bon bah je crois que ce peloton de char il va être en PLS total. Allez, on y croit. Ça perce pas. Ça ne perce pas. On est en train de perdre le char totalement. Il recharge plus vite que nous en plus. Non, c'est mort. C'est mort. On va perdre le troisième char. Ah oui, bah là il est pété. Bon, laissez tomber le char. Copiez-vous. Quittez le véhicule avant qu'il finisse encore plus mal. La tranchée également. Quand vous envoyez dans la tranchée, c'est bugué. Cette tranchée-là, alors. Bon, il nous reste un T-34. C'est le dernier. Toi, tu vas te ravitailler. On n'est pas seul en plus. Oh non, ils ont piqué notre T-34, les salauds. Et en plus, ils le couvrent. Oulala, 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 oulala. Mauvaise magie. Rien à faire. Rien à faire. Ça perce pas.
aucune visibilité, c'est dégueulasse. Je vais répéter. Le chat a répété. Génial. C'est quoi qui nous a eu? Un Mardor 2. Ah, adieu. Lui, on le récupérera pas malheureusement. Bon, soignez-vous tant que vous le pouvez. Et tout le monde s'abaisse. Voilà. Repiez-vous, repiez-vous d'être trop nombreux. Repiez-vous. Je m'en fous de savoir où vous repiez. Où vous repiez. Allez. Quittez la tranchée. Quittez la position. On est en train de perdre la ligne. Et tu vas là. Amenez le mortier dans le village. Vous deux, vous prenez la caisse de munitions. Vous la déplacez jusqu'ici. On se replie, messieurs. L'officier recule également. L'infirmière également. On a perdu une snipeuse. Replie, tout le monde se replie. Toi, tu te barres, tu vas là. Vous, ici. Katarina, tu te replies également. Tu vas là. Tu vas là, tu vas là. Ici. Les tranchées, c'est pour les chiens ou... Bon. Vous n'êtes pas perdu. Mais ils ont pris le T-34. Il l'a réparé, il est fonctionnel. Bon, protégez-moi de l'infanterie. On va s'occuper des blindés. C'est comment tu t'appelles? Savelli. Ah bah Savelli. L'Union soviétique tout entière, la 4ème compagnie te regarde. Tu es équipé comme Jaja pour défoncer des chars. Et on va d'abord prendre une grenade anti-char. Attention, tourne. Si l'artillerie me tue, je m'énerve. Voilà. Bon bah il est mort hein, le char, on le récupérera pas du tout, je crois. Ouais, c'était une belle grenade anti-char. Tu vas faire pareil avec le Panzer 4. Coucou les fascistes. Je suis Savelli. Bienvenue en Ukraine. Mais non mais... Non Savelli, tué par ses camarades. C'est ça le traître jaloux. Bon non mais... Eh mais les mortiers sur ce jeu, mais... Ils ont plus de compétences à tuer ses propres amis que les ennemis. C'est d'une tristesse. Cet homme aura la croix de... Je sais pas quelle est la plus grande médaille de... Il aura la croix de l'étoile communiste. Je sais pas quoi, je sais pas quelle est la plus grande distinction de, des médailles soviétiques de l'époque. Hop. Et on mettra sur sa tombe un épitaphe. Une fin héroïque, mais tragique. Ah, le Mardor. Il sait qu'il y a le... L'allume incendie là. Hop. Une petite Flammenwerfer. Oh non. Non. Tu te caches. Tu te soignes. Ne suivez pas les débilus hein. Ouh là l'artillerie là. Le mortier faut la faire. En même temps la casemate est ouverte. Allez j'y vais. Si vous tuez ce soldat, je vous fusille les mortiers. Je vous jure que je le fais. Quelqu'un. Ah, pas toi. Bah, ils font venir d'autres tankistes. Je vais vraiment venir parce qu'il y a lance-flamme. Hein. Bon. Indécent, messieurs. Et mineur en plus.
faut brûler quand je vous balance le lance-flamme. Oh là, c'est l'aviation, l'aviation, j'avais pas vu. Médecin. Soigne-le lui. Soigne-le lui. Oh non! Bon bah ils ont massacré la réserve. Tant pis. Franchement je m'entendais pas à ce qu'ils visent ce genre de cible. Oh non 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 non, hop 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 hop. Là, on brûle messieurs. Tant pis, le mardeur va cramer je crois, mais tant pis pour eux. On ne le récupérera pas. Fais attention, tu risques de cramer choupette. Ah bon là il est... Attention. Oulala, là là, rotation. Attention, attention, attention. Et t'as sauvé quelqu'un ou t'as échoué à le sauver? Il t'a claqué dans les pattes. Voilà. Bon, c'est pas fini. Il reste la mitrailleuse qui est là. Il reste le 88 et possiblement d'autres. D'autres surprises. C'est chaud, on a perdu. J'espère qu'on n'a pas encore perdu d'officier. Ah non, c'est lui, il est revenu. Bon. Ah bah ils ont tiré. Voilà, Ticon est toujours là. Ils ont pété la voiture de Ticon. Ah, ils vont pas être contents. Ah, ils vont pas être contents. La voiture du commissaire. J'avoue que je vois rien qui ressemble à un humain d'où je suis. Donc je vais un petit peu me déplacer. Je comprends pas trop ce qu'il y a en face de moi. Ah, c'est un canon de 37 mm? Ah oui, ouf, oh là là. Oh là, ça a été une boucherie. C'est mes camarades, ça? Oh, ben dis donc. Infirmière. On a tenu la ligne, mais ça n'a pas été simple. Oh là là, c'est pas les pertes. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il y a rien qui va. Fiche de moi ou c'est quoi le but? D'accord, c'est la fin de la carte. C'est la fin de la carte. Ah mais sérieux, la blague. Au moins, je vais pouvoir contourner ça. Voilà. Donc, il croyait naïvement que c'était une mitrailleuse. Voilà. Toi, t'as la petite nouvelle, c'était deux premières victimes. Tu dois jubiler de joie. Ah, moi, par contre, je suis pas content. Qu'est-ce que c'est que ce... Le forage total. C'est moi, il y a un des trois qui a claqué. Bon. Une fois encore, on a perdu un tiers de la compagnie. Vérifie un petit peu. Bon, au niveau des officiers. Bon, les tanks, c'est pas glorieux. Hein. Finalement, le seul qu'on a gardé qui a pas été exposé, c'est celui qui a été pris par les Allemands. Et on aura un Panzer 4 avec un canon haute velocité, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'avoue, ça tanque bien. Pour le reste, bof. Bon, maintenant, l'objectif, c'est de récupérer le canon 88. Et je crois qu'il y a une mitrailleuse qui traîne par là. On va donc y travailler. Bon, vous réparez les chars. Vous récupérez votre blindé. Votre peloton a été presque entièrement annihilé. Je suis désolé pour vous. Mais voilà, c'est la guerre. Votre sacrifice ne sera pas vain. Est-ce qu'il reste des tankistes dans les gens qui ont réussi à fuir? Pas la pression. Et Yakov est encore en vie. Ah
Quasiment tous nos sapeurs sont morts. Hein. Les hommes du génie, les sapeurs. On a perdu un sergent. Il y a un petit sergent qui est mort, deux sergents. Ouais, snipeuse. C'était la petite amie, enfin la petite amie, c'était la collègue, la copine de Katharina. Katharina est en colère. Katharina va défoncer tout le monde. Gloire à Katharina. Tu vas construire ta légende. Bon. Prends-toi discrète quand même, essaye de pas te faire repérer. Alors normalement j'avais des éclaireurs dans le coin, mais je crois qu'ils sont tous morts. Hein. Je crois que c'était eux qui ont été... Voilà. Ces éclaireurs, certains étaient là depuis le tout début de l'aventure, ils se sont pris une bombe dans la tronche. Bon, Sergei, tu répares la voiture. Hein. Et Ticon, lui, va s'amuser à faire de la mécanique. C'est son passe-temps préféré. Bon. Un officier pour observer les environs. Yakov. Il est où, Gerasim? Mais sauf que Gerasim, il tenait la droite. Hein. On aura perdu Gerasim. J'avoue, si j'ai perdu Gerasim, ce sera encore une fois une figure emblématique de la compagnie qui se serait éteinte. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, ça j'aime pas trop. Je dois bien l'avouer. Et je vois pas de sergent. Enfin, de commissaire dans les victimes. Quoique, peut-être que c'est Gerasim, c'était pas un commissaire, mais un sergent. Et je crois qu'il était là. Et j'ai fait replier là. Ah bah le voilà. Ah non, c'est Rusine. Et on a Yakov, on a Rusine, on a Titkon, mais on n'a pas Gerasim. Bon bah je crois qu'on a perdu Gerasim. Il est mouru. Mouru dans une tranchée avec des camarades. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait un autre canon. Ouais, ok, il y a 88, il y a une pièce de 155, je crois. Et je sais pas s'il y a une mitrailleuse qui traîne, là. J'ai cru avoir une mitrailleuse tout à l'heure. Ah, attendez, on se battait là. Là ou là? Là. On tirait sur ce qui était ici, et la mitrailleuse tirait de ce côté-là. Bon, j'ai bon sculpté la zone, malheureusement. Pas de mitrailleuse, donc bon. Vous allez voir qu'on va avoir une mauvaise surprise. On envoie Katharina. Il est déjà bloqué dans un abri à bois. Ils vont apprendre à te craindre. Tu es la mort russe. Bon, je t'avoue, je suis peut-être un petit peu en train de tomber à la mort parce que généralement, pour manœuvrer des canons comme ça, ils sont 5 ou 6. Donc, le temps que tu les abattes tous, ils auront peut-être le temps de te tirer dessus. Et s'ils te tirent dessus, même s'ils te ratent, ils ont de grandes chances de te tuer. Vu le calibre. Je n'ose quand même pas trop courir parce que j'ai quand même peur qu'il y ait une mitrailleuse qui traîne. Je ne vois aucun logo blanc de mitrailleuse abandonnée. Bon. Ah! Ça, c'est le canon, je crois. Je sais plus. Oh, la mitrailleuse! Non, 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 non! Ouais, c'est ce que je voulais éviter. De lui dire de partir automatiquement. On a trouvé la mitrailleuse. Oula, Katharina, qu'est-ce qui t'arrive?
T'as du chien là, qu'est-ce qui se passe? Allez. On va tirer dessus de l'autre côté. Un petit peu s'éloigner histoire d'être protégé par quelque chose. Un mode Spider-Man si tu veux. Spider cochon. T'as la capacité de voir à travers les tranchées. Alors, peut-être pas finalement. Hop hop hop. Voilà. Est-ce qu'elle est la mitrailleuse, elle est là-bas. Et attention au canon. Là, je vois les pieds du mitrailleur qui s'est fait abattre. Et là, je vois le derrière de l'autre mitrailleur qui a toujours pas pensé que je pouvais le contourner. Ça s'oriente vers toi. Cours, cours, cours. Planque-toi, planque-toi, planque-toi. Ouh, j'aime pas ça. Bon, je crois que j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Recharge. T'attends là gentiment. Je t'envoie des hommes pour... pour régler ce problème. Bon, le T-34 est réparé. Ce sera le nouveau char de commandement, semblerait-il, du peloton. Et si le peloton se limite maintenant plus qu'à un seul véhicule. Quoique non, le char de commandant, ce sera sans doute le Panzer 4. Vous? Oui, vous. Ah, bah oui. Ah, vous allez y aller. Ah, on sait que vous êtes heureux. Vous ne tirez qu'en mode riposte. Et vous vous planquez dans la maison, enfin dans les maisons pétées là-bas, et on va essayer d'éliminer petit à petit. Les canons, les Stracaterina tirés d'un côté et eux tirés de l'autre côté, comme ça le canon ne saura pas trop comment gérer la situation. C'est une technique qui a fait ses preuves. Alors, faites attention, il y a peut-être d'autres surprises qui traînent dans les environs que nous n'avions pas vues. Non, c'est bon. La quatrième compagnie meurt, mais ne se rend pas. Et là, il y a beaucoup de morts quand même. Il y a des vétérans, mais là, on en a perdu encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Placez-vous ici dans la rivière asséchée. Et arrêtez de gueuler. Non, 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 top, 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 là. Top, 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 top. Katarina, tu vas... C'est compliqué. Essaie d'aller jusque là. Parce que là, t'es pile poil dans l'axe du canon, j'aime pas ça. Parfait, vous serez prêt à tirer dessus à mon commandement, messieurs. Top, 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 top. Katarina lance le coup d'envoi. Je fais pause. On fait du semi tactique. Allez, abattez-les. Katarina continue son travail. Passons le canon. Bien joué. Une nouvelle pièce d'artillerie pour l'arsenal soviétique. On commence à avoir une. Le régiment d'artillerie de la division doit être très très heureux. Avec ce qu'on leur, leur amène ici, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, c'est un canon français. D'où le petit F qu'on voit ici, le K418F. F pour France, T pour Tchécoslovaquie, par exemple. Yes. C'est un vieux modèle, mais le calibre est bon. Ok, maintenant on va traquer le 88 et toute autre pièce qui traîne.
Что теперь? Et on reste discret aux rampes. On se remet en mode tir de riposte. Alors lui est plutôt de ce côté-là. Si je dis pas de bêtises. À moins qu'il ait déplacé, ce qui m'étonnerait. On va pas utiliser l'artillerie pour le défoncer parce que ce serait vraiment bien d'avoir un canon 88. Ça, ce serait vraiment, vraiment super. Вам нужен снайпер? Bon, encore niveau Alftrak, là, on a de quoi équiper toute la compagnie. Si jamais on peut la transformer en unité mécanisée. Mais c'est peut-être un peu trop tôt. Hein. Mais à terme, possiblement, la quatrième deviendra une unité mécanisée. Est-ce qu'il est passé le 88? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'il est? Le T-34, il s'est fait défoncer là. Il devrait être ici, le 88. On peut pas paumer un canon comme ça. Sniper на готове. Répare-le, toi. Hop. Чем могу помочь? Иду на территорию врага. Ben, on est au 10e tour, hein, donc maintenant on sait que les Allemands ont littéralement tout l'arsenal minimal pour nous causer beaucoup de tort au niveau des chars. Ils ont des Stug, ils ont des Panzer 4 haute velocité. Donc maintenant c'est la vraie guerre. Hein. Fini de discuter, fini l'opération Barbarossa avec. Avec des Panzer 1, des Panzer 2 et des 38T et 35T, ça commence tout doucement à être une machinerie beaucoup plus compliquée à gérer. Là, pour le coup, Katarina, je suis pas sûr qu'elle pourra faire grand-chose. Vous allez courir là-bas. Et faire feu à volonté. Allez, hop, chargez. Il y a un autre canon à côté d'eux. Il y a un pack 40. Oh non, j'aime pas ça. Il faut se lever, il faut se battre. C'est quand même ridicule que vous vous battiez pas. Vous méritez de mourir. Non, non, tu mérites de mourir. Hop. Trois fois, je lui demande de se coucher. Vous méritez de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'alors que le logo que j'utilise pour les placer est debout en visant avec l'arme, ils sont tous accroupis, sans viser, sans se battre. Qu'est-ce que c'est encore que cette bêtise? Jusqu'au bout le jeu, tu vas tout faire pour me pourrir la vie. Bon, en plus il n'y a pas 40 qui est là, donc résultat on va pas pouvoir contourner ce truc là. Je vous jure qu'il y a des moments ce jeu, j'ai envie de le désinstaller. J'ai vraiment envie de le dégager. C'est quoi ça? Il y a un autre canon derrière? Ou c'est eux qui l'ont avancé? Incroyable! Ah mais franchement... Bon là je sais pas comment faire parce que avec des teubés pareils, avec pas 40 à côté... Ça pour ça, Ménophore 2 est bien meilleur niveau tranché. Hein. C'est un petit peu particulier comme système, mais alors là, Gatefell niveau tranché, c'est du 0-0 pointé. C'est même en négatif, je dirais, parce qu'il n'y a rien qui va. La mécanique ne fonctionne pas. C'était comme ça dans les anciens Man of War, genre Assault Squad 2, etc. Ou c'est typique de Gatefell. Dégage. Ah. On va le faire comme ça. Hein. Katarina va sauver les meubles. Vu qu'on est accompagné d'hommes stupides et abrutis. J'ose le dire.
Comme mon collègue sapeur dans la tranchée tout à l'heure, qui était aussi « Ne laisse pas tirer !» Le problème, c'est qu'ici, ils ont l'avantage de la carte. Ça veut dire que si je tire, j'ai très peu d'endroits où me planquer. Juste après le tir. Bon, toi, t'as 5 balles. C'est que des vétérans, les mecs. Hein. Attention. Ceux qui viennent de mourir comme des gros caca, c'était des vétérans. C'est qu'ils ont, ils ont quasiment toutes des mitrailleuses. Ah. Là, je peux prendre. Hop. Oh là là, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire un bon travail. Et ils ont fait n'importe quoi. Ça va, tu t'amuses? C'est ta position préférée, hein? La position caca, bah oui. J'aimerais que tu te lèves un petit peu. Oh bah. Mec, je vous jure que là, je suis dépité. On l'a vu passer à travers. Oh non, mais ça, c'est le genre de choses où généralement, quand je joue seul, je redémarre la partie parce que je supporte pas de perdre des hommes parce que le jeu fait n'importe quoi. Là, je le fais pas pour le bon jeu, mais je vous jure. Et si j'étais pas en vidéo, ça, je ferais recommencer. Voilà, une balle de mort. Seule Katarina est capable de faire de telles prouesses. Ils en ont à lâcher leur fusil, leur canon. Après, t'as pris ta MG et tu sais même pas la... Fatigue. Bon, Katarina. Il faut bien une femme pour être compétent, hein. C'est un épisode féministe. Non, mais à un moment, ça devient ridicule. Encore 3, attention. Bah, il le traque. C'est pas grave, ils vont qu'à le traquer, le tuer. J'en ai plus rien à péter. Et ils le trouvent pas en plus. Même eux, ils sont un petit peu débiles. Ils l'ont eu ou pas? Ah non, ils sont pas dans la bonne tranchée. Oh là là, ouais. Cette série Netflix. Les hommes blancs sont stupides, mais les femmes, elles sont fortes. Ah, il faut mieux rire qu'en pleurer. Ça va, arrête de pleurer. Ouais, très efficace. Et en même temps, t'as pas de HE, t'as que de la hit. Katarina, on a besoin de toi. Il sert juste de faire diversion. Hein. Allez, va. Tu sais te battre? Le mec est équipé comme Rambo et se fait tuer à coup de crosse. Non mais sérieux quoi. Là, il est en train de looter le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Non mais il y en a qui tient le canon, j'ai pas confiance. On va l'abattre lui. Le faux ce canon. Hein. Je veux pas avoir perdu autant d'hommes pour rien. Ici où je suis. Il était du mauvais côté du canon, je pouvais pas le voir. Et encore un Gus en moins et on a éliminé l'équipage du canon. S'il te voit, il te tue. Hein. Oh là 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 là. Elle est glorieuse la 4ème compagnie. Hein. Franchement. Heureusement qu'on n'a pas vu ça dans le film de propagande. Hein. Ça aurait fait un effet tout à fait mitigé au niveau du box-office. J'ose le dire. Bon, on n'aura pas trop de mal à trouver de nouvelles recrues. On va peut-être se demander pourquoi subitement il y a autant de places qui se libèrent. Et bon, on leur dira que les autres ont gagné du galon et sont maintenant dans la bureaucratie la plus tranquille. C'est pas vrai, il s'est mis de l'autre côté encore.
On va finir par te trouver, hein. Tu peux te changer de place dans le canon, ça changera rien. Je vais te choper. Je vais te faire très très... Je vais te faire très très mal, qu'est-ce qu'il raconte? On dirait presque qu'ils sont en vie, eux. Presque. On voit qu'ils ont essayé de fuir, hein. Ah, on le voit, bande de lâches. Oh là là. Ramper là-dedans, ça doit te faire des souvenirs impérissables. Ça sent les boyaux. Et le musc. Et des boyaux musqués. What the? Il hésite. Il fallait pas hésiter. Band of Brothers niveau 2. Parce que forcément, je vais te soigner, toi. Je suis pas sûr. Hein. On a un pack 40 là qui traîne. Hop. Tu vas courir là. Puis tu cours là. Et enfin tu vas le soigner. J'espère que tu as bien obéi aux ordres et que tu n'as pas fait qu'à ta tête. Il nous reste un ou deux mecs qui tient le pack 40. Donc, dextérité pour grimper. Tel un cheval de Skyrim. On apprécie. Allez. Il est où le pack 40? Ouh, il est là. Si tu tires dessus ou tu peux te planquer? Non. 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 Pas compris. Il visait qui là? Oula, oula, oula. Allez, concentre-toi. Pistolet. Mal de merde. Non, Katharina! Non, non! Katharina est morte, bordel de... C'est quoi cette arme à la con? Oh, mais on a marre! C'est quoi cette partie qui foire? Tu peux tirer dessus, ça touchait pas. Katharina! Oh là là. Cette partie, je dois bien vous l'avouer, m'a dégoûté du jeu. Je ne vais pas retourner d'autres épisodes aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette partie de merde? J'en suis grossier, mais là, ça devient vraiment pénible. Hein. Puis c'est quoi le temps de viser pour un sniper? C'est débile. Plus c'est proche, plus ça prend du temps. C'est complètement bête. Avec le cerf qui est très là. Que dalle! Oh là 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 là. Bon, il reste plus grand monde hein, dans la compagnie, dans la quatrième compagnie du départ. Hein. On a perdu. On a perdu tout le monde en fait. Hein. On a perdu tout le monde. Il n'y a plus que des nouvelles recrues. Et ils ont pas l'air très malins. Limite, les compagnies avec les troupes de conscrits qui ont 0 points de stats partout sont plus compétentes que ceux qui sont ici. Enfin, on a récupéré un Panzer 4, un pack 40, on a récupéré des trucs, maintenant on a perdu d'autres choses. Tant pis, la guerre c'est cruel, le jeu est foireux, donc les deux ensemble, ça donne des résultats discutables et mitigés. Mais là, ouais, il me gonfle, hein. Là je vous jure que le jeu il m'a gonflé. Ouais, il m'a vraiment gonflé. Bon, Bodan Chili, il a réussi à faire quelques trucs. Mais bon, tous les héros là qui sont apparus subitement, ils sont tous morts. Le Yakov, c'était même pas le bon Yakov. Les infirmières, elles ont été changées 3 fois parce que les autres sont mortes. C'est qui toi? Tikon, c'est le nouveau venu, mais lui, à part réparer des mécaniques et draguer des meufs, il sert à rien. Non, c'est devenu une compagnie de clans pas finis. Hein. C'est la quatrième compagnie. Ce n'est plus la compagnie d'élite
connue, c'est la compagnie des clampins infinis. Tous les autres sont morts. Bon, les autres étaient aussi des clampins, mais ils étaient peut-être un peu moins clampins. Donc là, on va devoir la reformer, la quatrième compagnie. Mais je crois que ça va prendre un petit peu de temps. Donc à mon avis, on va passer de l'hiver au printemps-été. Avant de les retrouver. Avec de nouvelles têtes. Enfin bref. Bon, je vais vous laisser en tout cas. N'oubliez pas que vous pouvez voter en commentaire et dans l'onglet communauté dans le sondage qui couvre bien entendu le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu malgré cette défense nulle. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire de référencement si vous voulez pas simplement voter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à checker TikTok si vous voulez voir des shorts en avance. Je vous rencontre TikTok comme un vieux boomer et je découvre un petit peu ce milieu qui m'était un petit peu inconnu. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à rejoindre les membres soutien. Vous aurez droit aux vidéos que je tourne en avant-première, plusieurs jours en avance avant qu'elles sortent en public. Et vous avez parfois du contenu exclusif également. Bref, j'arrête de faire ma pub, je vous laisse tranquille pour cette partie, pour cet épisode du sel de Guérande, ou du sel sibérien, je sais même pas s'il y a des mines de sel en Sibérie, sûrement. Et je vous dis à la prochaine, avec de nouvelles têtes pour la quatrième compagnie, parce que là, ça a été un petit peu l'épuration. Tu peux te la péter, toi. Hein. T'es pas bon. Enfin, bref. Allez. Tchuss.